Genesio, Gebruni, Skia, bienvenue sur la chaîne YouTube. Ça va bien? Toujours, la forme. Vous êtes tous les trois sur un projet by Deezer qui est juste là derrière. La relève, le retour de la relève. Est-ce que vous avez kiffé l'expérience? À mode ouf. Ouais, moi j'ai kiffé en vrai, de découvrir d'autres façons de travailler aussi. Ok, méchant. Bonne expérience, hein. Carré. On va faire un classique de la chaîne, c'est des mini-jeux autour du peura, autour du rap. Là, j'ai remixé un peu le truc, il y a trois mini-jeux, je suis très mauvais en explication, voix off. Voici les trois mini-jeux auxquels on va jouer. Le premier, mélange la cover. Le média RapminerZ avait fait ça sur leur Instagram. Tom, qui au montage de cette vidéo a mélangé deux covers à l'aide d'une IA, et on doit retrouver les deux covers originales. Deuxième mini-jeu, quatre images, un mot. Je pense que tu y as déjà joué quand t'étais au lycée ou au collège. Quatre images apparaissent, il faut trouver le mot correspondant à ces quatre images, et tu gagnes le point. Troisième et dernier jeu, mais qui est cette personne? C'est très simple, toujours à l'aide d'une IA, la photo d'un rappeur a été transformée. Là par exemple, c'est... Et bah c'est Caris. Voilà, je pense que t'as compris le concept. Tout au long de ces jeux, il y aura des petits clins d'œil à La Relève, qui est un projet réalisé par Deezer où tu pourras retrouver différents artistes sur une playlist unique avec des morceaux uniques, uniquement disponibles sur Deezer. Il y a quelques années, on avait pu voir Oh Boy, Laylo, Gambi participer à ce projet. C'était La Relève à une époque. Maintenant, bon, ils ont plus rien à prouver. Mais maintenant, si tu veux aller écouter La Relève de demain, ça se passe sur Deezer avec le lien directement dans la description. Petite liste non exhaustive des artistes présents dans le projet. Malti de Baiser, Woody, Winter Zuko, K2 Prodigy, La Flaine et, entre autres, les personnes présentes dans cette vidéo. C'est bon, t'as tout compris? Et bien maintenant, place au jeu et n'hésite pas à jouer avec nous. Le jeu mélangé aux covers, let's go, c'est tout de suite, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a un arbitre derrière nous qui peut... Ok, vas-y. Moi, je dirais A7 de SCH. Oh, mais de fou. Et toi, tu as l'idée de l'autre? Ah putain, c'est ça. Moi, je l'ai, l'autre. De ouf. L'autre? Ouais. Mais moi, ah, il y a un timer, hein. Ah ouais, c'est combien de secondes? Je sais pas, mais c'est moi, je fais à ma sauce. Ah ouais. Moi, je décide. Mais je connais même pas, hein. Si, il y a SCH, ouais, je t'en si t'abuses. Hein. Ouais, je sais qu'il y a SCH, mais après, à côté, c'est qui? Moi, je dis, je pense que c'est Colaf. C'est qui ça? Ah, voilà, c'est ça. Colaf, le projet. De la fève. Ah, la fève? Mmh. Ah, normalement, ouais, je me disais. J'aime quand la basse tabasse, quand la boîte me donne des frissons, la chair de. Voilà. Colaf, voilà. J'ai sauvé là. Mais lui, il ressemble pas à la fève. Mais c'est la cover. T'écoutes un peu ou pas? Bah, moi, j'écoute fort. Hein. La fève, ouais. Moi, je peux faire R, t'as capté? Ouais, ça, c'est le projet un peu avant, tu vois, genre qui a amené un peu toute la hype autour de l'artiste en vrai. Ah, ok. Let's go, cover suivante. Oh, ça joue. Oh. Vas-y, c'est vous, Kalash criminel. Dans le dernier projet. Dernier projet, là. En tout cas, je sais que c'est Kalash criminel. Moi, ouais, je sais que c'est Kalash criminel. Bah, en fait, moi, le lion, ça me fait penser à la cover de La Fosse au Lion. Ah. Ça, c'est la cover qui avait fait parler de fou, où tous les gens, ils avaient dit c'est un peu gay ta cover et tout. Mais après l'autre projet, je sais pas ce que j'ai fait. Moi, je bloque parce que là, je me fais penser à Mister V. Ah ouais? C'est vraiment pas gentil. Les deux covers viennent de Sevran. Ah, Kalash criminel, c'est sûr. Et Maes. Sûr. Mais quelle cover? Bah écoute, moi on dit Kalash criminel et Maes. Mais quel cover? On sait pas. Mais c'est ça le but du jeu. Il faut dire le premier, les gars. La première, La Fosse au Lion. Ouais, c'est moi qui ai donné la réponse. Pourquoi t'as donné la réponse aussi? Ouais, je sais, j'aurais dû. C'est, pour moi, c'est deux projets de Kalash criminel. En tout cas, moi je dis c'est Kalash criminel, son dernier projet de 2021 ou 22, je crois. Ok. En tout cas, du calife à place du calife. Putain, non, je me calife. Ouah, ah, bah voilà. Ça. Toi, t'es chaud, toi. T'as dit ça? Après, je parle de rap sur YouTube. C'est qui gagne? N'hésitez pas à vous abonner. On a combien de points là? À mettre un like à cette vidéo. De deux. Merci. Le score est serré. Cover suivante. Mais non, mais ouais. Vous êtes trop lent. Nous, on est vif. Bah oui. Moi, je bois un petit verre d'eau entre chaque cover. Pourquoi je fais ça? Moi, je dirais deux frères des PNL. Ok. Et non, par contre, l'autre. Ah. Bien joué. Mais je pense que c'est dans la légende. Ah, Mike D, on est ensemble. Ils ont dit deux frères. Moi j'ai dit dans la légende. PNL déjà, c'est ouf. Moi j'ai dit dans la légende. Ouais, est-ce que t'as dit dans la légende? Non, allez, prenez les deux points. Ouais, bah oui, sinon c'est de la triche là. C'est parce qu'on est gentil. Déjà, vous appuyez en retard. T'inquiète. Là, on va être vif. Ce que je fais, je m'occupe du buzzer, je m'occupe de répondre. Vas-y. Ok, Jazzy Baz, et l'autre, je sais pas. Al Capote. Al Capote, merci pour... Ah, t'es chaud avec le truc... Al Capote, même son dernier projet, là, un truc de... Et Jazzy Baz, putain, il s'appelait comment ce projet? La nuit. 5h du matin, je suis déchiré sur les faubourgs. Oh, la nuit, tu vois, je suis chaud. Bien. Je retiens jamais les tracks, mais je retiens les noms de projets. Jazzy Baz et Al Capote, c'est la même tête, quoi. En fait, c'est le bac de la cover. Ah ouais, ils ont été forts. C'est un truc de vous, ça. Mais là, genre, carré, là, il sort d'une snake, là, l'autre. Voilà.
Il est en pétard. C'est un fou. Allez, cover suivante. Moi, je suis joueur. Mais attends, attends, attends. Ça veut dire qu'on a 5-3. Ah ouais, 5-3. Ouais, voilà. Tu penses pas que vous allez gagner, les gars? Non, mais. Ça va, y a plein de jeux après. Non, je sais quoi, je connais. Bécart. Ah, bien Orage joué. Et. Je sais, j'ai l'autre. Ah, je sais. Nino. Non, non, c'est nous, c'est nous. Allez. Pourquoi je dis pas? Pourquoi je dis pas? Mais oui. C'est Destin. Ouais. Destin. Bah, je crois que c'est le Destin. Du coup, là, c'est bon, on vous donne les deux. On vous donne les deux, t'as assez merci. Franchement, par contre, ça fait rep un peu les IA. De ouf, elles sont super bien foutues. N'utilisez pas des IA, faites appel à des vrais graphistes. Les IA, c'est nul, ça se voit de ouf que c'est bien. Ouais, allez voir des graphistes. Ouais, clairement. Ah ouais? Moi, j'aime bien, moi. Arrête, coupez-le! Arrêtez-le! Ça nique le travail des graphistes. Ah, bah oui, vas-y. Bah, moi, voilà. Ah, mais je l'ai. Je l'ai. Vas-y. C'est pas moi MMZ ça? Pour moi c'est pas ça. Et l'autre là, comment il s'appelle? Tiens, je te le laisse carrément. Tiens, gratuit, vas-y. Bonne année. Pour moi c'est Oudi. Ah Oudi. Ouais. Ah, je me disais. Et l'autre, je l'ai pas du tout. Parce que pour moi c'est vraiment que la cover de Oudi. Ah, moi j'ai. Genre vraiment le truc. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Dites-nous si vous êtes plus fort que nous. Exactement. Personne ne montre son visage. Ah, c'est deux artistes masqués. Je pense que je l'ai. Vas-y. Pour moi c'est Kekra. Ah, et oui, c'est Land. Tellement de faïs, j'ai le cœur qui devient du païs. C'est Land. Oh. Mais fais-toi confiance. Je suis quelqu'un en fait. Après Oudi, si je l'ai vu et... Il est chaud. Révélation aussi. Il est... Bah il est dans la relève en plus. Eh là, il y a 7-5 j'ai l'impression les gars. Okay. Attends, de toute façon, toi en TED. Toi en TED. Moi j'ai le moi je m'occupe de Buzzer. Deux très bons projets. La preuve, je connaissais à peu près le titre. Let's go. J'ai pas la réponse, mais je sais que je le connais. Moi, j'ai. Moi, je sais, Alpha One. Ah, il est chaud. C'est Alpha One. Et Leilo. Ouais, Alpha One. Et Leilo. Trinity et. Trinity, okay, une main lave l'autre. Il faut pas regarder. Alors, on vous rattrape ou là, j'avoue, c'était là, le truc que j'aurais pu les avoir. Que je t'avais vu sur scène, je te disais tout à l'heure sur. Ah, c'est Gal de Norsace, ouais. Il était venu performer Alpha One. Ouais, et il était là. Il était masqué là. Ouais. Il était là. En scred. 7-7 qui est le département d'Oudi. Voilà, une des anecdotes comme ça. Je donnerai son adresse à la fin de la vidéo. N'hésitez pas. Pas du tout. C'est une artiste française, ça? Ouais, je l'ai. C'est Youvdi. Ok. Mais alors l'autre, Par contre, la cover, elle est méchante. Hein. N'hésitez pas à faire appel à des graphistes. Ouais, parce que là, par exemple, les étoiles, elles sont pas super belles. Un graphiste aurait fait mieux. Ouais, il y a des petits détails, moi je les vois. Ah, attends. Ah non, moi je sais pas. L'indice, le rookie de 2017 et le rookie de 2023. Moi je suis sûr, il y a Youvdi. Et déjà. Après, mais rookie de 2023. Kershak. Ouais, Kershak, je sais pas si c'est de 2023. C'est plus 2022, je pense. 2023, c'est qui la pépite? C'est moi. Si c'est ta cover, tu connais pas gros. Non, je vois pas mon. Non, Léa, il a fait un truc bizarre. C'est ma cause. Vas-y, je donne ma langue au chat. Moi, j'ai du Kershak. Vas-y. Hein. Yanis. Il a fait les 11 Buscapé. Il a fait les 11. Aussi. C'est l'équipe de Ness, tout ça. Ouais, j'avais pas tout écouté. Tout. Projet très chaud en plus. Cover suivante. Alpha. Ah ouais, c'est. Merci. La Dondada mixtape avec. Parce que là, il y a presque que Dondada. Hein. Pour moi, c'est la cover de Dondada, mais. Attends, faut qu'on partage quand même le point là, faut qu'on trouve. C'est marqué quoi à droite là? On peut avoir les indices ou c'est comment? On ne monte pas que sur des chevaux. Ah ouais. Wow, mais attends, c'est des énigmes, c'est plus des indices là. Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas. Je l'ai pas dit. J'ai grandi, j'ai des factures et une CA élevée. Maman reconnaît même plus les gosses qu'elle m'a élevé. Oh, c'était Myro. Vous connaissez ou pas? Non, pas du tout. C'est technique, c'est un projet qui vient de sortir. C'est un artiste vraiment émergent. Ça vient de sortir en plus. Ouais, bah, artiste émergent de Suisse. Ah, je vais écouter ça. Là, c'est un projet très. Un peu boom bap à l'ancienne. Ok, j'ai capté. Ouais. Moi j'aime bien. Et le dernier son, je me suis pris une claque. J'ai peu connu mes grands-parents. Tes ex sont 5, c'est sur un yacht. Moi, ils sont sur une barque à 30-40. J'ai son Jules. Jules, c'est sûr. Ouais, je connais pas les noms des j'ai projets Jules de Jules. OVNI. Ah non, moi pour moi c'est la cover où tu sais, il y a tous ces disques. Rien sans rien. Rien sans rien, ouais. C'est ça. Rien. Et derrière là. Ouais, mais attends, mais c'est. Il y a une statue romaine un peu. Qui a un truc grec un peu comme ça dans sa. Pas l'église. Et le pastaga. L'église et le pastaga. Quoi? L'église. Bah le pastaga, c'est Jules. Jules. J'ai. C'est Valde. L'église. Ah oui, mais Agartha. Ah ouais, j'avoue, elle est chaude. Jules. Ouais. Non, Jules. On... Oui, non, mais. Oui, non.
Oh, méchant. Ah ouais, ouais, Agartha, ouais. Agartha est... Incroyable. J'ai eu mes 2 points, c'est bon. Agartha, très bon projet. Du coup, vous avez gagné, du coup. Petite vitesse, les gars. Ah, vous gagnerez points, jamais. 2 points, c'est rien. Vous gagnerez jamais. Ça va, ça va, il reste 2 jeux après. Ah ouais. Ok, on va se rattraper. Donc là, on passe à un autre jeu, 4 images, un mot. Est-ce que vous vous souvenez de cette appli là? T'avais 4 images et t'avais genre le nombre de lettres et fallait remplir, fallait trouver le mot qui correspondait aux 4 images. C'est technique. Ah ouais, j'avoue, c'est technique. T'as vu ce que... Vas-y, carré. Allez, let's go. Wow. Wally, rouge, prince. Ah bon, prince de la ville, non, c'est pas ça? Prince Wally. Alligator. Ah, ah non, bien vu, bien vu, Prince Wally, on a déjà trouvé Prince Wally. Eh, t'as donné une réponse toi aussi. Chacun son tour. Je te dirai dans l'oreille la prochaine fois. Très belle performance. Et sa cover est... aux flammes. Sa cover, c'est incroyable. Ouais, ouais, de fou. Vous voyez, Thury. Il a ressorti un projet à peu près. Ouais. Mais je trouve que sa cover, il y avait une similitude avec la dernière cover. Moi, j'ai bien aimé très sa bon cover projet de ça, Prince Wally, qui est pour moi le meilleur projet de 2022. Pourquoi il y a un bouffe tout dans Dofus? Attends. Frisk Orléans. Faut appuyer, mais ouais. Frisk Orléans. Ouais. Très chaud. Oh, my dieu. Non, là, c'est... Vous avez plus chaud, là, hein. Vous avez fait le malin tout à l'heure, on dirait, là... L'équipe. Ah ouais, équipe, mais non, équipe. C'était sûr. Et sur le Freeze. Pourquoi Mister... Ah oui, Mister Freeze. Bah oui, Mister Freeze, équipe. Mais pourquoi, pourquoi il y a un bouffe-tout? Ouais, Dofus. Pourquoi Dofus? Mais non, on a trouvé Freeze. Parce qu'on va savoir. Faut pas me piéger. T'as vu, non, on a trouvé Freeze. On savait rien. Que dalle. Bredouille. Mais la dernière fois que t'as réagi comme ça, t'as perdu à la fin. Fais attention. Ils ont rien. Oh là là, je suis mort. Zéro. Vas-y, on enchaîne. J'ai pas du tout. Ah non, Green Montana. Meilleur. Pas du tout, Green Montana. Allez. Je sais pas, maintenant je vais perdre. Green Montana. Montana. J'ai pas, j'ai vu Anna Montana, 9-2-8. Green Montana, ça il a trouvé. Vas-y. Let's go. Mais en fait, les 2 premières images d'en haut, à chaque fois, elles me perdent. Bah, en fait, moi j'ai juste vu Montana et j'ai vu le nombre de lettres, j'ai fait vas-y, Green Montana. Ah ouais, toi t'es occupé, toi. Tu fais appel à un ami. Bien. J'appuie, mais je sais pas. Attends, faut regarder les indices, les gars. Pourquoi il y a un docteur? C'est que... Doc gynéco. Je l'ai. C'est Doc gynéco, mais c'est première consultation. Vanessa. Bah, let's go. Là, nous, on est dans l'actualité. Il faut nous mettre des trucs de l'actualité. Ah. Très cher. Peut-être quelle année? Moi, t'inquiète pas, moi, je suis en tout cas, je suis après 2000. Moi, je suis après 2000. Bon, moi, je suis avant 2000, je connais les anciens. Mais très bon projet, la première consultation. J'ai kiffé. Pourquoi il était au Babac? Gradure. Roubaix, c'est Gradure, ça. Garde Roubaix. Ouais. Ah ouais. Chacun écrit. G-R-A-D-U-R. Gradure. Frais comme un gardon. Attends, gardon. Quoi, tu moi, je confesse à un gradure. Mais pourquoi il était au Babac? Qu'est-ce qu'il fout là? Mais oui. Pleure, t'es triste, qui est triste à Roubaix? Tous les habitants de Roubaix. Hein. Tu vas te prendre une sauce. Je me prends des balles. Bon, nous, on a trouvé Gradure, débrouillez-vous. Bah ouais, je vois pas. C'est pas gratuit, je vois. Ah non, on a trouvé Gradure, si, Roubaix, c'est et il donne les réponses derrière. Ah, ah. Il a un alias. Ah donc, ça veut dire nous, on n'a pas trouvé. Mais ouais, en fait, l'indice, ça me fait penser à une punch, un gardon. Il y avait une punch comme ça. C'est quoi un gardon? C'est un poisson, je crois. Mais pourquoi il a dit ça? Quoi? BNPLG. Mais y a pas assez de lettres. BNPLG. Roubaix, j'avoue, il vient du Nord. Vas-y, on met ça. Hein. Mais par contre, l'indice, j'ai pas. Moi, Gradure, moi, Gradure. Frais comme un gardon, elle m'a dit t'es gentil pour un garçon. Luther. Garçon ou Luther. Oh. Luther, il est trop fort. Ouais. Clip de ouf. Luther, c'est un mec qui a signé dans le label de This Is avec Runa. Ouais, chaud. Très, très chaud. Putain, mais oui, mais parce que Théo Babac, il a aussi un nom d'artiste. Bah, c'est Luther aussi. Il s'appelle Luther aussi. Ok, je savais pas. Ah, c'est lui aussi Luther? C'est lui le Luther en question? Non. Il y a 2 Luther. Ça serait drôle. Mais il est encore là! Il est encore lui! Mais encore! Je suis triste. Hein. Mamie Disco. Attends, mais c'est quoi? Je crois que c'est un artichaut. C'est quoi le truc? C'est le conte là, Petit Prince. Petit Prince. Oh. Attends. Sadek. Ah oh, putain, oui, le clip. Petit Prince. Let's go! Bien joué! Ah, vous êtes tué. Il y a 2-2. Ouais. Pour qui? Ah ouais, toi, tu triches pas? T'es sûr? Non. Ah, mais lui, c'est dans le bug, c'est bizarre, hein. Je connais pas. Je connais pas.
Renault. Moi, je sais pas. Un chien. Ah ouais, les gars. Renault, c'est une anecdote. J'ai fait les Energy Music Awards. Je suis là-bas avec Théodore et on a croisé Renault à l'aéroport et les gens, ils avaient mais aucune race. Ils venaient comme ça, tac, ils poussaient, ils faisaient des. Mais non. Et il était tout seul avec son fils et son fils, il faisait arrêtez, arrêtez. Et je trouvais ça horrible. Après, il a pas pris un bon garde du corps, là. Je sais pas. Ah, faut s'attendre à tout, hein. Hein, le big Renault, fait belle, mec. Qui parle de Renault dans. Maître Gims. Ouais, mais moi, je pense à ça. Kanye West. En fait, c'est juste pour le Nord-Sud-Est-Ouest, je dis ah, ça. Bah ouais, il y a assez de. Maître Gims, peut-être, non. Putain, ça se trouve les gens là. Hein. C'est pas Booba. C'est quoi qui est sorti en 2010? C'est la bande de Booba là. West Side. Ah, ouais, mais c'est Booba, oui. C'est de la je te laisse le poids. Ouais. Let's go. Mais oui, Renault, mais oui, c'est le sample. Ah, bien vu. Ah, il y a 667 à. Bluebeam. Non, je pense pas, ça rentre pas. Je l'ai de ouf. Jay Brony. Ah putain. Ah ouais. Ah, je suis un con là. Jay Brony. La vie de ma mère, ils ont retrouvé mon blaze. Lui, ils ont retrouvé mon blaze. J'ai appuyé pour le dire, je suis trop con. Comme tu crois que la vie, c'est un movie. Jay Brony. Oh bah oui. Attends, oui. Il y a Flemme là-bas en haut là. Il y a Brony là-bas, il y a 667. Il y a Fait Divers. Bon, heureusement, t'as le point. Évidemment, évidemment. Ah, t'aurais trouvé ma place, j'aurais eu le seum. Attends. C'est Resadec. Triste comme ça, pourquoi tout le monde est triste? C'est encore un artiste de Roubaix? Allez, on va arrêter cette vanne. Tu vas te la prendre, la suite. Waouh, triste en prison. Triste, attends. Derrière les barreaux. Comment s'appelle le bouc là? Ah, en bas là, en Castaldi. Ah ok. Koba? Non, c'est trop. Ça fait beaucoup de petites lettres pour un Koba. Mais pourquoi il y a un. Je sais pas le nom du mec là-haut. Je suis très mauvais en histoire. Avec une sacrée calvasse. Hein. À l'époque, la Turquie n'existait pas. Il y a un dans Dollar là. Dans Dollar, c'est lui, non? Le mec qui est truc là. Avec sa calvisse. Ah, c'est Benjamin. Président quoi? À l'époque. Benjamin. 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 Benjamin Epps. Ah, mais oui. Epsito. Trop con. Benjamin Epps. Attends, en fait, ça me saoule. Mais c'est comme Jay Brony. C'est comme Jay Brony. Je l'avais, mais je me suis dit, bah, c'est peut-être pas ça. Mais ça m'énerve. Je me saoule. Bon, ça va. On peut se rattraper. Là, vous prenez le point. Ok, donc là, ça veut dire ultime jeu. Là, il y a un point partout. Là, ça va être qui sont ces femmes ou ces hommes. En gros, ça va être un face swap. J'ai capté. Je pense que là, ça va être plus simple. Ça va être le jeu le plus simple. Donc, vite sur le buzzer. Des noms. Qui sont ces femmes? Moi je l'ai frérot. Pour moi c'est PLK. Ouais je pense aussi ouais. Ah c'est des garçons filles hein. Ah ouais. C'est terrible ça. Putain demain c'est loin. Ouais. Let's go. Ouais, c'est bien joué ça. C'est que je connaissais le fond de la. J'avais la photo en tête. Yes ça. Sadek. Ah ouais. Ah oui! Sadek beaucoup présent dans la vidéo, là ça fait deux fois. Man. Qui est cette personne? Je peux le dire? Bah, t'as appuyé. C'est ouais. Naps. Il a pas du tout. Est-ce qu'elle est stock déjà? Je crois que c'est une vraie meuf. Comment elle s'appelle? Dorian? Non! Ouais, Dorian. Mais c'est pas Dorian. Une machine à hit. Joule! Moi j'ai dit Naps hein. Ouais je crois que c'est Naps. Ouais c'est Naps hein. Attends y'a qui en... Non c'est Naps, c'est Naps. Machine à hit. Naps. Naps. Est-ce l'enfoiré? Nino. Est-ce l'enfoiré? Non. Là je dirais Naps. Ah Us ça pourrait. Moi j'ai Us l'enfoiré, moi je dis Us l'enfoiré. Ah ouais Us l'enfoiré. Ouais moi je dis Us l'enfoiré. Ah ouais. Putain merde. Ah je peux rien dire, j'ai été nul tout le long, je peux rien dire. Pas un quatrième jeu à la fin. Non c'est bon on va remonter. Il y a deux. Hein. Bilal Hassani. Oh, ouais, merci. Au revoir. C'est cramé que c'est. Indice, Banzai. Attends. Ah, attends, bah non, attends. Putain. Quoi? Banzai. Mais là, on dirait juste Bilal Hassani. Ah, il n'y a ouais, pas de transformation. Il y a qui met des lunettes en tant que rappeur là. Personne. Alors, moi, je porte souvent mes lunettes. Attends. Banzai. Qui a un artiste avec un Banzai? Un son qui s'appelle Banzai, un truc? De toute façon, si c'est pas Bilal la réponse, je refuse la réponse. Mais ça, il ressemble pas. J'allais dire Jinbei Bigo. Pourquoi Banzai? Parce que sur la cover, OG-san, je crois, et il coupe un Banzai. Ah ben, allez. Et la cover, elle est rouge. Donc, allez, on part sur du.
dans nos regards, y'a l'énergie d'un hall de gare. Waouh! Fais-toi confiance! Attends. Mais par contre, je veux dire que, enfin, il ressemble à Bilal Hassani. Mais de fou, mais la photo à droite, déjà, on dirait pas trop d'une Burbigo, je trouve. C'est vrai. Ah bah oui. Alors comment ils veulent qu'on trouve ça aussi? Il faut les gens qui sont. Ah ouais, les gars. Il y a des gens que tout le monde connaît. Bah, Adim, tout le monde connaît. Il est connu, connaît, les gars. Ah. Non, c'est pas la non, lui, c'est un bouquet de background. T'as vu, background. Vous dites ça, vous aviez pas cité Doc Gynéco, les gars. C'est qui Doc Gynéco? Bah, je connais Doc Gynéco. Non, mais vous avez, vous disiez la même chose en mode, oh, c'est trop. Non, mais tu étais avant 2000. Moi, avant 2000, j'étais pas encore là, moi. Tant pis pour toi. C'est ton dos. Il rappe d'une bière beaucoup. Ah oui. Tu crois quoi, il est éclairagiste? Tu vois, j'avais peur, mais j'avais peur de dire de la merde, tu vois. Ah ouais. Non, 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 désolé, il rappe, mais... il rappe et il est très chaud. Nous, on fait des trucs de boug un peu. Et il est très très chaud. Allez, écoutez. C'est quoi, pour la peine, je vais aller écouter. C'est Dinos. Non, 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 c'est pas Dinos, wesh. C'est même, elle était dans le groupe ADC Vent là. Ah, Stavo. Stavo. Oh. C'est Stavo. C'est Stavo. Oh putain. Ah, non, c'est Stavo. Merci pour les travaux. C'est merci Stavo. Pour les travaux. Oh la bah, vache. Oui, Maggie. Que soit qu'à l'onde, je suis tout en noir. Oh le big Stavo. Oh la vache, en meuf comme ça là. Oh, c'est là. Ah ouais. Je veux pas de problème avec les rappeurs qui sont trop comme ça là. C'est les IA. C'est les IA, encore une fois. Toute leur faute. Et To The Kid, c'est pas To The Kid. Attends, mais là, c'est, on transforme en cube. Ah, c'est la meuf qui était là, la flame. Ouais, la flame, ah, c'est la flame. Yeah. Non, 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 non. Si, pour moi, c'est la flame, ça. Pour moi, c'est Kay de Prodigy. Oh, yes. Ouais, mais... oui, c'est ce que tu voulais dire. Ouais. Ah, la flame et Prodigy. Bah, vous êtes trompé de nom. Ouais, mais... c'est ce que tu voulais dire. C'est ce que tu voulais dire. La relève. Mais pour... Ah, ouais, je commets l'irréparable, je te demande pardon après. Let's go. Bah ouais, je me disais, elle ressemble à quelqu'un que j'ai déjà vu en face. Ouais, bah oui. Ah ouais, elle fait bien, hein, garçon. Elle est fraîche, mec. Hein, ouais. Fraîche, je sais pas, je dirais pas ça, mais ça va. Ah ouais. Il a une bonne image. Mais j'avoue, il y a un air de To The Kid de en ouf. Mec. Ouais, To The Kid. Il y a un air de To The Kid. Eh, c'est Mehdi Maizi. Ah, oh, je suis incroyable. Mehdi Maizi. Incroyable. Pareil que je suis la référence, dis-moi ce que t'en penses. Ah, oh, mais c'est un truc de fou, en meuf, il passerait bien, lui. Hein. J'avoue. Ah, moi, je le croise, je le drague. Ah, oh, meuf, direct. Moi, je sais c'est qui, ça. Oh, je l'ai. Comment je l'ai? C'est Luigi. Luigi. Oh là là. Allez. Ah, voilà, je l'avais en tête. La vie de ma mère. Tu ne vis que pour les caméras. C'est un Luigi. Vous écoutez un peu ou... Ouais, moi, j'écoute. Ouais, moi, j'écoute fort, wesh. Moi, j'aime trop fort, lui. Trop fort. J'avais fait un clip très, très fort, en 2017 pour son ref. Mais non. Bibi. Ok, Bibi. Je connais pas. Bibi, ouais. Très, très chaud aussi. Ah oui. Moi, j'aime bien son image. Si t'aimes le rap, tu dois l'écouter. Mais c'est fou, le mec, il a sorti un projet et pendant 4 ans, il a fait 3 tournées avec. Lui, c'est un genre d'Estromae, un peu. Je vais aller écouter ça. Tu sais, aujourd'hui, quand un projet il sort, tout le monde dit ouais, en première semaine, il a fait ça, il a fait ça. Ton projet, il est jugé bien si t'as fait beaucoup en première semaine. Lui, ça a pas forcément décollé, mais ça a pris du temps. Et aujourd'hui, tu sais, c'est un gros projet. Il a fait plein de tournées avec. Aujourd'hui, tu sors un projet à minuit 5, il y en a, il dit c'est nul. Après, c'est un bon exemple d'artiste qui a su faire parler la musique. Hein? C'est une vraie meuf, ça, on dirait ça. Attends, moi, je dirais c'est Tal, non? Il y avait une chanteuse comme ça de l'époque, là, 2015, elle chantait bien. Ah, mais ouais, du coup, pourquoi il aurait mis une photo de juste une chanteuse qui existe? Ah, j'ai... La dernière, Attic. Oh. Attic. C'est les cheveux, à vous. Attends, le plus gros feat de 2022? Wesh, c'est pas Attic, ça? Attends, c'est quoi le plus gros feat de 2022? Bah, pour moi, c'est Chakola, Hamza, des trucs comme ça. Le plus gros feat? Waouh! Moi, je dirais Attic, hein. Vas-y, on dirait Attic. Putain, t'as pas une idée? Moi, j'ai que Laylo. Laylo? Mais ça ressemble pas à Laylo. En fait, moi, je réfléchis à qui peut porter des gros pulls comme ça. Ah ouais, j'avoue. Tu vois, ça, Dinos? C'était pendant l'été, ça. Dinos, il porte ça. La photo, elle est claire de peau. Je parle du pull! Ah, ok. Si tu on se bat sur le pull, d'accord. Allez, bonne dosée. Oh, 2022. D'ici! Oh la vache! Ok! C'est ça? Je serai plus jamais en S. Je serai plus jamais en S. Okay. Oh la vache, okay. Mais oui!
Voilà. Ah ouais. C'est toujours l'honneur. This is. Bah oui. Ah, mais oui. En fait, on dirait pas, j'aurais jamais pensé à. Non, lui, il aime bien les gros pulls. Il aime bien les gros pulls. Il est stylé, il est stylé, il s'habille bien. J'aimerais bien vieillir comme lui, hein. Parce qu'il a 45 ans, le frérot, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Non, lui, bah, il fait quoi? Lui, il se lave dans quel genre d'eau? Je pense qu'il peut se reconvertir et lancer une marque de skincare. Ouais, je pense, sincèrement. Moi, bon, on vous applaudit, bravo les gars. Bah ouais. On a gagné deux jeux. On peut que gagner. Merci, les frérots. Bah, merci à toi, mec. Ouais, de ouf, c'était cool. Même si on a perdu. Bien, wesh. Ouais, camarade. Ensemble. Vas-y, excuse-moi. Et ouais, excuse-moi. Pas ça. Ah, je suis mort. Les refs, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez joué aussi avec nous. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire et n'hésitez pas aussi à aller streamer la playlist 10 heures du projet La Relève. 12 titres exclusifs avec notamment les 3 artistes présents ici et des artistes qui sont passés aussi dans les mini-jeux. Kay de Prodigy, on a parlé de La Flame, on a parlé de Woody. Merci d'avoir participé. Ah, merci à toi. Merci à toi. Hein. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous, hein. Ciao. Mom.